C'est le plus puissant cuirassé de l'histoire, ou plutôt c'était, car voici ce qu'il reste du Musashi, fleuron de la flotte impériale japonaise, coulé en 44 dans l'archipel des Philippines. Son épave a été localisée il y a une semaine par le yacht de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, et qui se consacre maintenant, entre autres, à l'exploration maritime. Shigeru Nakajima, 94 ans, est l'un des derniers survivants de l'équipage du Musashi. On dirait que c'est l'arrière du bateau. Quand je vois ces images, je suis sûr que c'est le Musashi avec l'ancre, le sceau impérial du chrysanthème et cette catapulte qui envoyait les avions. Plus de 1000 membres d'équipage avaient coulé avec leur vaisseau, attaqués dans la même journée par des dizaines d'avions américains et touchés par 19 torpilles et des dizaines de bombes. Le capitaine et ceux qui ont sombré doivent être ravis au paradis d'entendre cette nouvelle de la découverte du bateau. Et je parle pour le reste des survivants. Entré en service en 1942, le Musashi était le vaisseau amiral de la flotte japonaise et la principale arme pour reprendre le Pacifique aux Américains lors de la bataille du golfe de Leyte. Retrouver son épave qui gît par 1000 mètres de fond a pris 8 années à l'équipe de Paul Allen.